Les amis, l'édition de Cartes Magiques The Gathering Zendikar Rising vient juste de sortir le 25 septembre 2020. Et on a sous les yeux le bundle de cette édition, un bundle en version originale, donc en anglais. On va ouvrir ce bundle pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut voir que dans ce bundle, normalement, il y a 10 boosters. Donc c'est toujours les bundles, c'est toujours des belles boîtes qui comprend des boosters, voilà un dé. Normalement il y a des terrains, 20 terrains foil, 20 terrains premium, donc foil et un 20 terrains normaux. Je me demande s'il n'y a pas une carte promo dedans, donc il y a une boîte de rangement pour les cartes, puis il y a ces fameux 10 boosters. Donc on va ouvrir le bundle afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, donc bon, la boîte est toujours, voilà, c'est une boîte. Ça, donc la partie cartonnée qui est en plus, on a ce petit, cette petite feuille en plus. Et donc on a dans cette boîte cartonnée une boîte de rangement où je sais plus, on peut ranger plusieurs centaines de cartes hein, dans une boîte comme ça. Ah, voilà, on a une sorte de deck super sympa avec cette fameuse carte promo, donc Charis The Raging Isel. C'est une carte promo que de l'édition. Et on a aussi donc ces petites cartes support. Bon, pas grand chose. On a ces fameux boosters 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 boosters du Moondle, et on a un dé aussi. Un dé magnifique. Ça c'est plus pour les joueurs. Hop. On va ouvrir. Alors, on va commencer peut-être par ouvrir ce petit tas. Alors. Où est la limite? Bon, on va faire comme ça. Voilà. Et on va découvrir les cartes qui se trouvent à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc, Shark the Raging Hill, c'est une carte foil. Hein. Une carte rare foil. Une très belle carte. Et puis après, on a. Oh là là, on a les terrains foil, hein, justement. Missol, Swamp, Mountain, Forest. Ils sont tous, voilà, magnifique. Hein, bon, ils sont normalement. On a une vingtaine de cartes de terrain foil. Hein, on va les faire défiler peut-être un peu plus vite. Voilà. Oh, il y en a même plus. Enfin, j'ai rien compté. Ouais, j'ai pas compté, mais il y a bien. Ils sont au moins en 4 exemplaires chacun, tous en foil. Et puis là, c'est les terrains en version normale. Donc, c'est même terrain. Donc il y en a une vingtaine. Bon. C'est sympa. On va peut-être essayer d'ouvrir maintenant des boosters. Ce qu'on va faire, on va en garder un qu'on va mettre de côté, qui servira à une vidéo d'ouverture pour un seul booster. Hop. Et on va ouvrir donc 9 boosters de ce bundle afin de découvrir les cartes qui sont à l'intérieur. Et pourquoi pas espérer avoir des super cartes. Allez, ou pourquoi pas des cartes extra. C'est parti. Premier booster de ce bundle. Hop. Peut-être enlever la petite boîte. Ah. Et puis, alors c'est une édition un peu particulière parce qu'il me semble qu'il y a des cartes dans The List. C'est une carte tous les 4 boosters. Ce sont des rééditions de cartes, un peu comme dans les Mystic Boosters qui étaient sortis il y a un an. Et ce sont des rééditions d'anciennes cartes. Donc, allez, Strength of Solidarity. Marauding Blade Priest. Resolute Strike. Deliberate. Molten Blast. Cyclops Sentinel. Tazimur le Mage.
Shepherd of Heroes. Bass League Hunter. Oh, Ruine Crab. C'est une commune. Celle-là, elle est sympa, c'est une commune. Je crois que c'est une commune qui est la mieux cotée dans la famille. Là, on tombe bien pour ce premier booster. Là, on est vraiment bien tombé. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être essayer de se faire un peu de place. Et on va mettre les cartes un peu intéressantes un peu de côté. Donc, Ruine Crab pour commencer. Bien. Attend Healer. Bayen Vale. On a un terrain. Donc, celle-là, Bayen Vale, elle est sur deux côtés. Hein. Hop. C'est un terrain d'un côté et puis une carte. Non, c'est un terrain bleu en fait, des deux côtés. Hop, et on a un terrain Crawling Barrens. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ce truc de fou! Mais c'est une mythique! Une mythique foil! Lithoform Engine. Et un terrain. Waouh, Texless. Et un jeton Texless. Non, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ce booster de fou? Alors là, on commence très très fort, hein, parce que on a dès le début une super carte. Une mythique foil, ça arrive pas tout le temps. Hein. Premier booster. Donc c'est une mythique, c'est la combienième? La 245 de la famille. C'est vrai qu'elle est cotée, je crois, autour de 15-16 euros. Donc c'est pas mal pour un bon début. Même le terrain rare. Bon, c'est le terrain le moins cher. Hein, donc voilà. Mais bon, on va peut-être mettre les cartes à part. On va comme ça. Voilà. Ça nous permet de nous faire une idée un petit peu. Voilà. Chapeau. Sympa le premier booster. Le deuxième booster. Enfin, c'est pas vraiment le premier, parce que le premier, on l'a mis de côté. C'est dommage, ça aurait été sympa pour une seule vidéo. Hop. Allez, c'est parti. On va faire défiler les communes. Mindwane. Pressure Point. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps aussi d'aller regarder le logo. Qui est ici, le nouveau logo de cette édition. Féidar. Dreadworm. Et on a Emeria Captain en une commune. Taunting. Arbre Mage. Mackinix Stampede. C'est un terrain. Un terrain double face. Et en rare, on a. Oh, Verazol. Donc le terrain double face. Et là, en rare, Verazon The Split Current. Voilà, on a. Et un terrain Texless Plain. Oh, c'est une carte. Oh, c'est une carte jeton. Un peu différente des autres. Bon. Allez, on continue. C'est vrai que le booster d'avant avec la Mythic Foil, ça faut le faire. Plus une crabe aussi. Allez, un nouveau booster de ce bundle. Voilà, c'est parti. Alors. Tactics, Negate, hop, voilà, ouh, elle est sympa celle-là, Akum, Hellhound, c'est une commune, un dessin alternatif. Bon, bah c'est sympa quand même ces petites cartes à dessin alternatif qu'on va mettre de côté. Cunning, Gisor Mage. Et après, on est une commune Relic Axe. Sion of the Swarm.
et Casulfuri. Casulfuri. Et après, on a oh, encore une multicolore, une rare. Linvala. Shield of Seagate. Et donc le terrain qui est recto verso. Oh, on a une foil! Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Expédition Skulker, c'est une commune foil. Islande en Texless. Et puis un jeton sans importance. Sympa, Expédition Skulker. Bon. Quand même, ça fait la deuxième foil en trois boosters. Peut-être l'isoler la foil. On va essayer de voir à la fin. Alors c'est vrai qu'on a aussi les terrains Texless qui sont magnifiques. Un nouveau booster. Allez. Sizzling Barrage. Adventure Awaits. Freed. Ce soir. Kabira Outrider. Living Tempest. Inordinate Rage. Spare Supplies. Seagate, Banner, un peu plus de lumière pour voir ces belles cartes. Expédition Champion, Frankijovic. Oh! Elle est belle celle-là. Fearless Fledgling. Une commune. Un dessin extra. Super. Murazar Woodgrazer. Et le terrain, le fameux terrain recto verso, Kabira Takedown. Et on a un terrain. Ou une rare. On a Throne of Makindi. Donc, sur terrain recto verso et Throne of Makindi. Bon, c'est un petit terrain, malheureusement. La carte Mountain. Et puis, ce fameux carte en plus. Mountain Texless. Alors, c'est toujours sympa avec Zendikar, là, parce que ça fait la deuxième édition. Enfin, la troisième. Je sais plus si la première, mais il faisait ça aussi, des terrains Texless, ces fameux terrains, qui sont sur toute la carte. Ça fait vraiment des très très belles cartes. Pour la bataille de Zendikar, il y en avait, je sais plus, pour le premier Zendikar, je sais plus s'ils en avaient déjà sorti. Les terrains Texless, il me semble. Un nouveau booster, Disenchant. Field Research. Scorch Rider. Le Stomper. Ouh! Une nouvelle commune! Extra. Celle-là, on l'avait pas, on en avait une autre. Et rouge. Ah super. Neris Bending. Donc ça fait quand même 4 communes extra. Hein. Enfin 4 cartes extra parce qu'on a une commune aussi. Et une commune sur les 4. Thundering Rebuke. Et maintenant, ça c'est carte une commune. Ravager's Mace. Elle a le terrain. Un terrain noir. Malakir Rebirth. Et on a en bleu. Ouh. Sharik the Raging Issol. Donc on va voir les deux côtés. Hop. Alors cette carte, elle est marrante parce qu'on l'avait en promo dans la boîte. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir la version et en promo et en normal. C'est marrant. Voilà. Et on a. Oh! Celle-là, on a une foil. Hein, la troisième foil de ce bundle. Pelaka Prédation. Pelaka Caverns. C'est une commune en plus. Hein. C'est super sympa. On a Swamp Texless et Angel Warrior en jeton. Bon bah c'est un bundle qui est plutôt intéressant. On a la troisième carte foil. On a trois cartes foil. Quatre cartes extra. Une mythique foil. Des terrains Texless. Bon, ça c'était prévu. Mais hop, un nouveau booster. Expédition Healer. Unity Life. Broken Wings.
Mindrain. Fuge Strike. Expédition Diviner. Alors, il y a des cartes communes que l'on retrouve, hein, forcément, on va les avoir en double. Alors, vu qu'il y en a 9 ou 10 par booster, ça va très vite. Terrain Disciple, Injeko, le terrain Sejiri Shelter, la double face, et on a... Oh, oh, qu'est-ce que c'est que cette carte? Une rare. Ouh! Donc on va, et hop, on va repasser sur le terrain double face. Montrer. Et puis là, on a une carte extra. C'est une rare extra. Felida Retraite. Mais c'est bien ça. Sympa. Le terrain Texless Forest. Et cette carte jeton. Ben, on en est à 5 cartes Texless. Pas extra, pardon. C'est vrai que c'est des cartes aussi un peu de certaine façon Texless, puisqu'elles ont l'image, une grande image sur la totalité de la carte. Hop! Allez, c'est reparti. Shintrap. Nimana Skydancer. Corps célébrante. Délibéré. Ouh! Une commune extra! Mackindy Ox. Sympa! Ah, on a eu pas mal quand même hein, dans ce bundle. Hop. Et les unes communes. Sur Fun Infiltrator. Résistante Farm Beetle. Voilà le terrain. Black Boon. Rogue. Double face. La carte double face. Terrain et couleur. Et on a une noire. Une rare inscription of Ruin. Là on voit la deuxième face de cette carte double face. Inscription of Ruin. Nouvelle rare. Et donc on a, il me semble que je pense qu'on n'a pas une carte feuille dans ce booster. Eh oui, ouh, ça c'est pas mal du tout. C'est un terrain Texless foil. Magnifique, franchement. Hop, on va le mettre ici. Donc on a Island aussi en Texless et le jeton plante. Jeton Texless. Bon, bah c'est sympa, ces petits boosters, ce petit bundle. C'est vrai qu'on est plutôt gâté. Ah, on a commencé fort, hein, parce que une mythic foil, ça se trouve pas tout le temps. Et puis, on a eu quelques cartes extra. On a quelques cartes foil intéressantes. Allez, Scorch Rider. Striker. Neuvième, on en a 10. On n'a pas de carte foil dédiée. Les unes communes, Malfoc, Falconer, Skyclave, Géopède et Core. Ah, une une commune normale, c'est pas un terrain. Alors, tous les autres boosters, on a eu une carte double face en terrain. C'est un booster original. Oh, et là, on a un terrain. Ah, est-ce que justement, ce booster qui est différent des autres, il n'y a pas de foil, il n'y a pas de carte double face. Est-ce que le terrain il va être intéressant? Hop, et c'est un terrain double face, Crag Crone Passway. Waouh, et il est double face, Tibancro Passway. Ah, il est sympa ce terrain. Il est plutôt intéressant en plus, c'est sympa. Bon ben, on va le mettre ici, parce que ça c'est vraiment une carte sympa. Et là on a... Hop. Hop, et on arrive au dernier booster. Cette édition en sachant qu'on a pris le premier booster que l'on a mis de côté pour faire une vidéo unique d'une version de booster de cette édition. Voilà, hop. Et c'est parti, Reclaim the West. Living Tempest. Tormenting Voice. Glacial Grasp. Ardente électromanceur. Oh, 9! On a une foil!
Alors, on va bien terminer cette ouverture de Bundle Relicvial. Acquisition experte. Et à Coom Warrior. À nouveau, terrain double face, enfin une carte double face, rouge de ce côté et terrain de l'autre côté. Et on arrive à la rare. Oh, une rare rouge. Une mythique. Les lignes tirantes. Alors déjà, hop, on va revenir sur le petit terrain. Avant de... Hop. Leyline Tyrant, c'est une mythique. Bon, bah, c'est la première mythique haute que la foil. Donc, bon. C'est pas la mythique la plus chère de la famille, mais c'est une mythique tout de même. Donc, c'est vrai que c'est plutôt assez récent. Et puis maintenant, on a aussi une carte foil. Une bleue. Une commune bleue. Windcrab. Oh. 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 C'est énorme. Parce que c'est la carte une commune la plus chère de la famille. C'est parce qu'elle est très recherchée. Et ben là en foil. Alors, que dire, on est plutôt gâté dans cette boîte. Hop, une nouvelle foil. Et on va mettre le terrain forest. Et puis une carte sans rien du tout. Voilà, donc on a une ouverture de Moondle qui est plutôt sympathique. On a ouvert que 9 boosters. Donc c'est vrai que dans ce Moondle, on a le dé, qui est pas mal pour les joueurs. Un nouveau dé plutôt tendance verte, qui est un peu la couleur de cette édition-là. On a eu ces 20 terrains. Foil, c'est du classique, mais 20 terrains normaux. On a dans chaque booster un terrain textless. Et puis aussi, dans la plupart des boosters, il y a peut-être eu un seul booster sur les 9 que l'on a ouvert où il n'y avait pas cette fameuse carte double face terrain. Donc, on est plutôt gâté. Et puis, on est gâté parce que sur ces 9 boosters, on a quand même réussi à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes extra. Ces 6 cartes extra se décomposent en 3 communes. Deux une commune et une rare. Donc c'est pas mal. 6 cartes en 9 boosters. On a eu aussi. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 foils. Donc celle-là, une mythique foil. C'est quand même pas rien. Ruine crab foil, une commune. Et forest en foil. On a une autre une commune et une commune. C'est plutôt pas mal. Et côté grosse carte, on a aussi cette mythique, la ligne tirante. Et cette rare. Crackgrown Pathway. Donc on va dire, on va ressortir les cartes qui ressortent le plus. C'est ces quatre là. Voilà, ces quatre là, c'est quand même plutôt intéressant. Alors, rien que ces quatre là, on a déjà une valeur qui est supérieure à celle du bundle. Voilà. Et donc c'est quand même sympa. Une bonne petite ouverture avec vraiment des belles cartes, des très très belles cartes dans cette nouvelle édition. Et puis voilà, ça mélange un peu tout pour les collectionneurs. Bon, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir compléter au maximum les éditions, mais on a eu quand même pas mal de cartes différentes. On a des terrains, on a... Là, on a un panel de cartes différentes qui permet de montrer un peu tous les types de cartes qui sortent à présent. Voilà. Donc on est plutôt content de cette ouverture de Bundle. Et maintenant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, toujours sur Zendikar Rising, Renaissance de Zendikar. On a encore pas mal de choses à découvrir ensemble.